Salut, salut! On se retrouve pour une vidéo action! Et oui, encore. J'y suis allée plutôt que prévu et avec une copine. Et du coup, bah, j'ai encore acheté des petites choses. Il y a des choses pour offrir, mais il y a des choses pour moi. Donc je voulais vous les montrer. D'ailleurs, je vous ai fait un vlog action si vous voulez aller le voir. Je vous le remettrai en barre d'infos et puis en petit i ici. Puisque bah, je vous ai vlogué ma journée. C'était une journée assez sympa d'ailleurs. Donc voilà. Donc action, j'ai commencé par prendre cette connerie là, oui, à 1,30€ je crois, ou 1,19€. Bah ouais, parce que je trouvais ça trop craquant, je me suis dit que pour faire des petites glaces à ma fille, avec de l'eau et du sirop, voilà, des choses un peu basiques, ça pourrait être sympa pour l'été. Un truc très utile, des tablettes comme ça, je sais pas si c'est de la bonne qualité, mais je me suis dit pourquoi pas, pour le lave-vaisselle. Du papier transparent pour envelopper les cadeaux que j'ai fait pour la nounou. Un truc comme ça qui est très pratique pour mettre sa vaisselle quand elle sèche. À 1,99€ je crois. Moi j'aime beaucoup l'acheter. Là j'en ai un tout neuf mais j'en prends au cas où parce qu'ils sont pas faciles à trouver chez Action. Et toujours pour la cuisine, une planche à découper. Voilà, parce que j'en avais besoin et qu'elle était pas trop chère à 1,60€. Il y en avait des moins chères mais celle-ci elle était de plus jolie et plus meilleure qualité. Pour le lave-vaisselle toujours, j'ai pris des espèces de désodorisants pour le lave-vaisselle pour que ça sente bon à l'intérieur. Mais je sais pas ce que ça vaut encore. Ensuite j'ai pris des émoticônes, oui encore comme dans ma dernière vidéo parce que bah, ceux-là c'est pas les mêmes. Et puis c'était pas cher. Bah oui, toi aussi t'as envie de parler loulou. J'ai craqué parce que ma copine qui était avec moi, Virginie, elle en a pris. Donc je me suis dit bah moi aussi je vais goûter. Donc j'en ai pris. Au niveau des prix, je vous avoue que j'ai le ticket de caisse quelque part. Je ne sais pas où, mais je me rappelle plus trop. Mais c'était pas très cher, c'est autour d'un euro. Ça j'avais envie de goûter, c'était au goût vanille et banane. C'est des Duo Fudge. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'avais envie de goûter. Ensuite, j'ai pas mal craqué au niveau scrapbooking. Ouais, j'ai pris plein de choses en fait. Donc j'ai pris un petit lot comme ça de petites fleurs pour décorer mes créations. Pas mes créations de scrap, mais pour mes photos Instagram, etc. Donc ça, c'était 60 centimes, je crois. Et voilà tout ce que j'ai pris au niveau papeterie. Ouais, j'ai craqué. Des nouveautés que j'avais jamais vues avant, ce sont des petites choses comme ça en bois, des espèces d'embellissements bois avec du gold. Ben voilà, j'ai craqué, hein. Je sais pas, voilà, moi je suis faible. Je suis trop faible, j'ai pris tous ceux qu'il y avait en fait, différents formats, ils sont trop jolis je trouve. Pour des créations, pour mettre sur une carte, enfin, c'est super joli. J'ai repris des écritures parce que j'étais pas sûre d'avoir certains. Oui, mon doudou. Et le dernier, plus garçon. J'ai pris des embellissements qui étaient trop beaux. Alors attendez, parce que comme je les ai pris en plusieurs fois. Voilà, des stickers comme ça, un peu épais, un peu carton. Ils sont trop trop beaux, regardez-moi ça là. Oh, je les trouve magnifiques. Donc ceux-là, ils sont plus girly. Ceux-là, un petit peu plus sur les oiseaux, les fleurs, etc. Mais alors, les derniers là que je vais vous montrer, ils sont trop beaux. Regardez. Les petites gourmandises, les petits flamants roses, petits tipis. Ouais, ils sont trop beaux. Alors celui-là aussi il est trop craquant, tout à fait dans la mode avec les cactus, les petits vélos. Et ça c'était 1€ je crois, ou 1€, ouais 1€ je pense, 99 centimes. Ils étaient trop beaux, je pense si je me trompe pas, mais ils sont trop beaux, trop beaux, trop beaux. Ensuite je suis super ravie d'avoir trouvé ça, je les avais vus sur la chaîne de ma copine Perlissime. Oh mon loulou, hyper. Oui mon loulou. T'as mangé il n'y a pas longtemps? Donc je les ai vus sur la chaîne de ma copine Perlissime. Ce sont des espèces de feuilles de tissu autocollantes et avec du gold foil comme ceci. Et vous avez 4 motifs différents, il y a 8 feuilles à chaque fois. Ils sont trop beaux, trop beaux. Moi j'étais obligée de craquer, hein. Donc il y avait 3 ou 4 lots différents, j'en ai pris que 3 différents. Et pour finir, un lot de 1 kg de feuilles avec ces motifs là. Pour faire des petites réalisations avec ma fille ou des choses comme ça, donc je trouvais ça sympa. Ou même pour ma classe. Ça c'est tout ce qui était pour moi. Maintenant je vais passer à tout ce qui est pour ma nounou.
Comme ça, ça peut peut-être vous donner des idées de vidéos ou de choses comme ça. Alors, pour la nounou de ma fille, on a décidé avec une copine de lui faire un lot, un assez gros lot, avec plein de petites choses à découvrir. Donc, je lui ai pris du thé comme ceci, je trouvais le packaging très sympa, il était à 2 euros. Une petite boîte comme ça à customiser, parce que je pense qu'elle aime bien faire un peu des petites choses elle-même, avec une petite cage à oiseaux, et je sais que je pense qu'elle aime bien mettre ça sur son balcon, si je me souviens bien. Je lui ai pris les mêmes petites fleurs que moi, pour toujours les customisations, des petits stickers pour faire avec ma fille et puis du coup la fille de ma collègue. Plein de petites choses comme ça de scrap et de stickers pour qu'elle s'amuse. Je lui ai pris aussi des petits stickers au cœur comme ceci. Une petite carte d'anniversaire parce que c'est son anniversaire demain. Du chocolat parce que c'est quand même la base, hein. Encore des petits stickers, un petit album comme ceci pour faire des découpes, des choses comme ça. Et ça c'est super idée Action, ils ont mis des petites choses pour la fête des mères. Et du coup c'est une petite jarre comme ça avec des petits bonbons en forme de cœur. Je lui ai pris aussi, toujours style fête des mamans, ils ont fait ça. Donc c'est trop mignon. En revanche je l'ai pris, je sais plus du tout. Je lui ai pris... Pourquoi mon téléphone il sonne tout seul comme ça, des fois il a un problème. Une petite boîte comme ça que je trouvais très mignonne en fait, avec un pâteau et une tasse et une bougie pour lui faire un petit lot. Je vous montre ça. La petite tasse elle est là et la petite bougie elle est là. Et alors du coup le plateau il est comme ça, il est trop mignon. Et du coup je me suis dit bah voilà, pour lui faire une jolie présentation, petite tasse, petit plateau et petite gourmandise et dents. Voilà comme ça. Et dans la petite boîte, je vais lui mettre des petits caramels comme ça, chocolat, vanille que j'ai pris aussi en plus. Faut pas que je casse tout ça parce que sinon c'est la galère. En plus de tout ça, je lui ai pris un sambon pour la maison parce que je me suis dit voilà, pour la gâter chez elle, des petites babioles, je me suis dit que c'était sympa d'avoir un gros lot de plein de petites babioles. Donc c'est odeur ananas. Et pour finir, si je n'oublie rien, une grosse boîte de célébration qui est en promo chez Action à 2,60 je crois. Donc voilà, hein, je vais lui faire un gros paquet comme ça et puis je pense que ça sera super bien. J'espère que ça lui plaira en tout cas. On verra bien, on verra bien. Donc voilà pour mes achats chez Action. N'hésitez pas à aller voir le vlog où on papote chez Action et on va se balader dans Action avec ma copine. Et puis on se retrouve très très prochainement dans une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut.